Yomina. C'est Maître Adrien. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur le mode URF. Oui, sur le mode URF. Le mode qui est réapparu dans la file rotative pour ce week-end. Donc qui est dispo du 22 au 24 au soir jusqu'à lundi en gros. Donc du 22 au 24 nous aurons droit au mode URF. Et je me suis dit, allez, on se prend un petit Maokai hanté des familles, tranquillou, un bon petit Maokai. Et donc, voilà, c'est le mode URF, donc on a, des bonus de ouf, des trucs hallucinants. Par contre, donc, je vais commencer... Ouais... Ouais, bah la Pink Ward, on la prendra tout à l'heure. Un Pink Ward, voilà, fuck hein, on la prendra après. Y a pas de soucis sur ça. Alors le bonus, le ultra méga super puff. La consommation de mana et d'énergie est réduite de 100%. 80% de réduction des délais de récupération sur les objets compétences activables. 25% de ténacité et de ténacitude, 60% de vitesse de déplacement pendant les déplacements, les bonus de vitesse d'attaque sont augmentés de 50%, les coups critiques à 25% de dégâts supplémentaires, coups en PV réduits à 30%, et cette unité inflige des tonnes de dégâts. Tous les 3 coups, cette unité inflige 100% des dégâts qu'elle aurait infligés. La source, non, 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 on ne se coupe pas les poros. Voilà, donc vous voyez le ultra méga fire buff. Donc voilà, quand on va lancer, le mana ne va pas s'enlever. Et on peut, voilà, les délais de réduction, regardez-moi, c'est n'importe quoi. Allez. On peut en lancer, allez. Un à l'avance pour c'est quelqu'un qui vient. Pff, allez, puis on en lance un là aussi. Et ça va tout péter. Voilà. Pff. Et je pense sincèrement qu'elle avait pas besoin de mon aide dès le début, mais bon, allez, on reste quand même. Donc voilà. Regardez, voilà, on va spammer l'adversaire à coup de bombe de jet d'arbuisseau. Ça va. Ah, oh merde, il va venir vers moi. Ok. Ah, on va peut-être en mettre un. Là, comme ça, il aura une petite surprise tout à l'heure. Je vous en ferai une, voire une deuxième qui sera commentée ou pas. Je verrai. Mais je voulais faire moi la première avec vous, donc c'est ma première de URF. Ma petite première vidéo de URF en fil rotation. Enfin, dans la file rotative, parce que je l'ai déjà fait lors de l'année dernière quand le mode est sorti. J'avais fait 2-3 vidéos dessus. Et là, je me suis dit, allez, on se lance une petite vidéo. Donc, ouais, le mode qui est sorti depuis. Qui est sorti dès. Ah, GG. Qui est sorti à 13h. Et donc, je me suis connecté pile poil à 13h. Le mode est créé. Et activé. Donc on y va. Ouais, donc là on va pas se faire chier de toute façon. Donc voilà, tous les persos qui ont du mana, ça ne compte comme ne plus, comme ils ont plus de mana. Voilà, tu dégages toi. Les persos de mana n'ont plus de mana. Donc en gros, bon, vous pouvez toujours prendre des persos qui n'ont pas besoin de mana, d'énergie, parce que l'énergie ne couleront pas. Ne s'utiliseront pas. Mais je préfère d'utiliser des persos à mana. Qui est deux fois plus drôle, histoire de faire histoire de spammer. Non, ce mode est de base assez drôle, j'aime bien. Ah, Evelyn, elle y va. Ouais, j'ai mis l'ignite, donc logiquement je l'ai. Ah merde, elle l'a pris. Ouais, bah de toute façon là je l'avais achevé.
Le Wukong ne peut rien faire. Sincèrement, le Wukong est mort. Alors c'est quand même mieux devenu. Et regardez les dégâts qu'on fait à Tourelle, ça se voit qu'on est en mode Urf. Hein. Je fais pas 53 000 de dégâts de base. Puis à Tourelle, de toute façon, elle a plus de 400 000 et quelques... Regardez-moi ce bordel de tous les côtés, ça explose, ça tape. Ce mode est sincèrement mais drôle à souhait. Non, 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 non. Bon bah on va mettre... On va back, hein. Voilà, j'ai pu tuer le Xingzao avec mon arbuisseau. Ah bah c'est nickel, on s'en fout. Allez, voilà, crève. Xingzao crevé et Wukong vient de nouveau crever. Oh non, sincèrement, c'est trop méga OP. Dans le mode Urf, le Maokai. Mais lol de chez lol, Maokai, c'est insane en Urf. Les mecs ne peuvent pas avancer. Tu peux victimiser des Timo avec ça. Pour déconner encore mieux. Ouais, un petit arbuisseau. Non, ça, voilà, il aura la surprise en y allant. Voilà, allez. Viens là, connard. Ouais, donc il se mettra toujours en clone pour s'enfuir. On cherche pas. Il va faire que de s'enfuir avec son clone. Et bien là, explose, voilà, un nouveau. Donc là, de toute façon, de base, on maximise pas l'arbuisseau. D'origine, on le maximise pas, on maximise le A, ensuite le Z et l'arbuisseau en dernier quand on le joue. Mais là, c'est obligatoire. Là. Enfin, pas obligatoire, mais je pense que augmenter l'arbuisseau dans ce mode-là, c'est tout à fait... Excellent, franchement, il n'y a rien à dire. Allez, venez là, bande de coco. Regardez, il y en a deux, là. À trois, à quatre. Oh, ils me kiffent, oh, ils me kiffent. Oh, ils ont envie de moi. Ah, je vous avais dit qu'ils avaient envie de moi. Je vous avais dit qu'ils avaient envie de moi. Voilà, un doublé. J'ai dit qu'ils avaient envie de moi. Ils m'aiment tellement qu'ils vont tous venir au top, vous allez voir. Allez. Mais c'est pire que Broken, sérieux. C'est trop insane, sérieux. Non, c'était clone, fallait s'en douter. Ah, dommage. J'ai cru que j'aurais pu avoir le kill là sur. Sur ces petites saloperies de Syndra. Dommage. Donc on va se mettre full résistance. Vous allez voir, ça va être ouf.
Le top est poche. Ouais, moi aussi, la prochaine fois je prends TP, là j'ai... Là j'ai pas changé. J'ai changé mes runes, mes maîtrises. J'ai pris tout ce qu'il fallait, mais j'ai oublié de changer les icônes d'invocateur. Tech Herald. Ouais, oui. Oh non, 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 peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Non, en fait, non. Pas d'Herald. Il va se mettre en full. Ah bah bien joué. J'arrive vers l'Hérald, j'arrive vers l'Hérald. Mais c'est tellement fumé l'Hérald, j'ai même pas besoin de chercher quoi. Voilà, allez, un peu d'armure. Bibi va être content de ce qui se passe. Ah, le Wukong du 1-5, il peut pas. Franchement, contre moi, il peut pas jouer. Après, il peut prendre des kills autre part. Mais contre moi, j'ai l'avantage. Déjà, j'ai eu le premier kill sur lui et maintenant j'ai. Nickel. Nickel, nickel, franchement là y a rien à dire. La team qu'on a n'a pas l'air d'être dégueulasse. Evelyn, ça doit être tout simplement très fort en nerf de ce que je vois. Jinx, ça m'étonne même pas. Jinx, juste à compter sur le zap et tu gagnes. Enfin, moi je l'ai joué la dernière fois, je l'ai joué dans l'ancienne fois, enfin dans l'année dernière. T'as juste à faire zap, 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 zap. Ça fait tellement mal déjà, donc on urf full zap et... Bon, Emerdinger, je l'avais joué, c'était super fort. Oula, oula, oula. Ah non, 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 putain, pourquoi je parle? Si je parle et que je suis des conneries en plus. Et j'ai déjà joué Emerdinger. Oh, nickel. Emerdinger, c'est déjà pas spécialement cheaté de base, quoi, c'est fort. Mais en Urf, c'est... J'ai rien à dire, franchement, c'est insane. En Urf, c'est bien. Mais il y a des persos. Et je trouve que Maokai est un des persos qui fait énormément chier. J'aurais jamais cru dès le début. Parce que je le jouais pas avant, Maokai. Et je me rends compte que, déjà, de base, je sais que c'est un perso super... C'est quand même un perso... C'est un perso fort. Mais alors là... Ah, là, par contre, j'ai peut-être creusé ma tombe. Oui. On appelle ça un suicide. On prend le mode Urf, on est là pour en priorité. Oui, on est là pour s'amuser les amis. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour autre chose quoi. On est là pour s'éclater, s'amuser. C'est le but du Urf. Et donc après ce mode Urf, on aura droit au mode Exakill sur une map où on fait du 6 contre 6. Et je crois que ça se fait uniquement, et encore je suis pas sûr, et ça, je crois que ça se fait uniquement sur la map forêt... Ouais, forêt torturée. Ouais, le bleu c'est pas vraiment essentiel, ça sert à rien, mais c'est pour la réduction encore plus de cooldown. Mais avec le Urf, il y a déjà une réduction de cooldown. Oui, mais alors là, encore plus. Allez. Venez, bande de petites saloperies. Elle arrache pas Evelyne, elle demande juste pourquoi il a couru.
Pas rager, c'est un urf, donc un mode de jeu où on s'amuse. Hein. On sent pas les stacks, tiens le. Ouais, ah bah je vais me faire encore plus empaler. Non. Ah oui, faut que je me mette en idée que j'ai pas d'escape. J'ai pas du tout d'escape, donc c'est vrai que, à part le flash qui revient toutes les 60 secondes dans ce mode-là, c'est totalement fou. Eh ben, il revient toutes les 60 secondes. Comment dire? Sans le flash, donc en gros, toutes les 1 minute, je peux. Là, ouais, voilà, j'aurais TP, j'aurais pu défendre ma tower, mais elle va être pétée. Eh ben, toutes les 1 minute, je peux flash. Donc, entre temps, je ne peux pas m'échapper, je ne peux rien faire. Si, je peux escape grâce à mon Z pour revenir en arrière sur les. Sur les persos ennemis. Hey Trinda, vas-y, pète-lui aussi sa gueule, Trinda, vas-y! Vas-y, Trinda! Voilà. Donc là, heureusement qu'il y avait Trinda parce que c'est vrai que j'ai pas de résistance magique. Mais bon. Donc je pense qu'on voudra acheter un petit. Soit vol de la Banshee, ou soit un visage spirituel pour augmenter un peu notre. Voilà, pour augmenter un peu notre défense magique parce qu'on n'a pas de résistance magique et ça va pas être bon. De toute façon, là, je pense sincèrement qu'on va win. Sans être méchant. De toute façon, en mode Urf, c'est comme un mode en fait fight d'invocateur en plus boosté et plus rapide. Si vous pouvez terminer. J'ai déjà terminé une game en ouais, 15 minutes. 15 minutes comme une légende du roi des pourrous. Et je pense que là. On va la win celle-là. De toute façon, obligatoirement, déjà. Vu les objectifs, enfin, les tourelles détruites, on va gagner. Mais je pense que c'est même très bientôt. Non putain mais il va. Non mais sérieux, il va se barrer comme ça lui. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est une bête. Non mais non. Non mais on va pouvoir l'avoir celui-là, bordel de couilles. Oh non mais il est sérieux lui, mais regardez-moi comme il se barre toutes les 2 secondes. Vas-y Evelyne. Voilà. Non mais le mec il se barrait n'importe où quoi. Ouais, vas-y. Vegar avec. Ah ouais, Vegar peut faire ses cages assez souvent, donc j'imagine même pas à quel point ça doit être aussi fort dans ce mode là. Oh, elle m'a poussé, Syndra, elle m'a aidé. Voilà, dégage. Voilà. Bien joué, nickel, allez. Bon ben voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et franchement, c'était nickel, on a pu ben, on a pu gagner. C'était cool, bon, ils avaient une Nidalee qui n'était plus là. Ce qui est fort dommage, mais j'essaierai de vous faire donc une autre vidéo sur le mode Urf. Allez, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Mina.